Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en plein week-end. Je suis en pêche actuellement. En fait, je suis arrivé hier assez tard. En fait, j'ai déposé les cannes vers 19h30. C'était fini de poser vers 19h30, quelque chose comme ça. Et du coup, bah voilà, c'est le mois de décembre, il pleut, il fait un petit peu froid. J'ai pas pu venir avant. Mais bon, ça l'a fait quand même. Donc là, on est le lendemain en fait. Il est à peu près 4h30 du matin, j'ai eu un départ à 4h. J'ai fait un joli poisson, pas bien grosse, mais avec de belles couleurs quand même. Donc voilà, c'est parti sur une jolie bille épicée là, avec une petite appât en fait, une pop-up blanche là, un dumbbell blanc pour un peu équilibrer. Donc c'était la canne qui se trouvait à peu près à 70 mètres du poste là, sur un petit amorçage avec un stick seulement, c'est tout, 2-3 billes. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre le reste. Bah, je vous ferai une petite conclusion quand je serai bien réveillé et qu'on kiffera jour aussi. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Yes. S'est levé ce matin, on a fait deux poissons, donc voilà, nickel. On va replacer les cannes dans l'après-midi, on va rechercher à peu près deux spots. Déjà il y a une canne qui va pêcher au même endroit, les deux autres je vais les changer de place, parce que en fait ici les poissons sont ultra méfiants et je pense que le coup est mort déjà. Et puis bon bah on va pouvoir comme ça prospecter un peu d'autres spots, on verra bien. Donc là voilà, il est à peu près 8h30. Ça pêche encore. On laisse un petit peu jusqu'à midi, 13h. Et puis je reviens vers vous dès qu'il y a un poisson ou deux. Quelques aventures de plus. Bon allez, avant de finir ma nuit, là, la seule nuit que j'ai passée, je vous montre à peu près mon poste. Donc ça c'est ma canette joker, là où j'ai eu le deuxième poisson. Là je l'ai vu ici. Voilà. Elle a déroulé d'un coup celle-là. Elle a déroulé vraiment d'un coup. Je pense que le bateau n'est pas forcément nécessaire à part pour bien déposer à l'arrière. Parce que le fond est assez propre là devant. Donc voilà, on va faire une petite sieste là et ensuite on va reposer ça au propre. Bon voilà, 16h30, je viens juste de poser les cannes avant la grosse averse là, heureusement. Donc du coup, j'ai déplacé cette canne qui était là, dans l'enfoncement là. Je l'ai rapprochée en fait sur, comment dire, de la base. Avec, j'ai pu voir qu'il y avait des grosses traces de grenage en fait ici. Et puis bon bah celle de gauche comme d'habitude, comme j'ai fait hier, et celle de la canne de joker aussi pareil comme hier. Il n'y a qu'une canne que j'ai changé là, mais il y a un grand vent, donc ça a été quand même compliqué de déposer les cannes, hein. Mais bon, ça l'a fait, c'est le principal. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les départs. On se revoit dès qu'il y a un poisson ou deux ou trois. Vous voyez là-bas,
mon repère, il se trouve là. Avec un stick, une petite pelle de graines, et puis c'est bon. Et ma deuxième canne, je sais pas si on va la voir, elle doit se trouver pas loin encore, même distance, mais à gauche, on voit pas, mais bref, voilà. Ah, il y a du vent, là, ça s'est calmé encore, mais c'est vraiment un temps merdique. Mais bon, ça pêche. On prend l'air, c'est le principal. À tout à l'heure. Et c'est parti, on va se faire un petit foie de veau là, avec des jolies pommes de terre, tranquillou. Pour ce soir, ça ira très bien. Je l'ai assaisonné, j'enlève un petit peu la peau. Et puis nickel quoi, c'est parti. Hein. Avec des champignons et voilà. La pluie s'est mise à tomber avec du vent là. C'est bien sérieux là cette histoire. On est bien à l'intérieur mais voilà. Hein. Bon en tout cas il y a des pêcheurs qui viennent d'arriver. Bon ça fait encore un peu plus de pression de pêche sur le plan d'eau mais ça va, c'est pas méchant non plus. Hein. On n'est que 3 sur 8 hectares, ça peut. C'est raisonnable encore on va dire. En espérant que cette nuit ça va donner quelque chose. Voilà, au son revient à l'eau, là c'était une jolie commune, prise encore avec l'habit épicé, une petite pop-up blanche en fait, pour équilibrer le montage. Donc elle était posée comme le premier jour, la première nuit, c'est parti au même endroit. Donc il y a déjà deux gros poissons, enfin gros poissons, façon de parler, mais deux jolis poissons sur la même canne. Donc déjà ça c'est un petit indice. Mais voilà, là j'ai reposé à la frappe, j'ai pas changé de la bille parce qu'elle est encore bonne. J'ai reposé à la frappe avec un stick, c'est tout, parce qu'il y a trop de vent. Je peux pas m'embarquer en fait sur le bateau avec autant de rafales. Et en plus j'ai pas envie d'embarquer les deux autres lignes, donc on va pas faire le fou, on va rester sage. Et donc on verra bien demain. Voilà, je vous reprends tout à l'heure s'il y a un poisson ou deux ou trois, donc il y avait du vent. Le bille, oui, a pété, il a cédé au niveau de... Au niveau de l'arrondi là, il a cassé net à cause de la tempête, c'est un truc de fou ce qui s'est passé en début de soirée. Enfin bref. La nuit a été dure les amis, franchement, grosse rafale de vent, une grosse tempête, de la pluie. Mon biwi en fait, l'arceau s'est cassé carrément. C'était ça toute la nuit. Grosse rafale de vent. Ah, c'est un truc de fou. Ouais.
Bon bah voilà les gens, hein, fin de session je pense là. Bon bah il reste encore quelques heures à pêcher, mais on range tout doucement. La nuit a été courte. On range tout doucement le matos et il reste encore quelques heures à pêcher. En tout cas, jolie session là pour un 48 heures, 3 poissons en fin d'automne, début d'hiver, c'est quand même pas mal, surtout ici parce que c'est assez compliqué. Il y a quand même pas mal d'herbiers, il y a beaucoup de contraintes et surtout la météo là, ça n'a pas été au top. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.